tong, tong, tong. Ah, bravo Pierre-Emmanuel. Merci. Nombreux sont les auditeurs qui m'envoient leurs chroniques dans le but d'intégrer un jour l'équipe de On va tous y passer. Vous estimez que mon avis vaut de l'or? Certes, j'ai une belle écriture universelle, accessible pour les moins de 5 ans, avec un champ lexical de 30 mots. Je ne le dirai jamais assez, on n'est pas là pour faire de la politique. On chronique pour divertir avec un semblant de fond. D'abord, prenez un sujet polémique de l'actualité, les enregistrements des conversations de Nicolas, par exemple. Ensuite, balancez van sur van, bim, van, van, van. Alors, pour ceux, tapez directement blackrigolo.com, copier-coller. Hein. Enfin, vous concluez avec une semi-réflexion moralisatrice pour montrer que vous avez une conscience de gauche, pour ainsi multiplier vos chances d'être repéré par Patrick Cohen pour faire la chronique du matin qui est nettement plus prestigieuse. Alors, de toute façon, quelle a été la chronique dans l'histoire de l'humanité qui a réussi à changer la vie politique du peuple? Mon collègue Pierre-Emmanuel Barré a beau dire « Monsanto, Coca-Cola, maïs transgénique, on est dans une merde noire !» Et puis deux secondes après, on va prendre un cheesecake caoutchouteux chez Starbucks. Quoi, c'est pas vrai? Et Océane Rosemary, ah, oui, oui, mariage pour tous, lesbiennes, moules frites, tout ça. Mais au fond, tout ce qui intéresse Dédé, c'est son sex tape. Ah, je vais vous faire la démonstration d'une bonne chronique qui divertit et qui rassemble. C'est ma nouvelle séquence intitulée « Les envies prennent vie au fourneau du Niakwe ». Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui à faire l'authentique riz cantonais. Contrairement aux idées reçues, le riz n'est pas indispensable pour faire du riz cantonais. Regardez ce qui reste au frigo. Hein. Découpez le tout en petits dés, en brunoise, comme je dirais dans notre jargon. Si vous n'avez pas de frigo parce que vous êtes pauvre, pas de panique. Récupérez le fond du sac de votre aspirateur et découpez le tout en fines tranches, en sifflets, comme je dirais dans notre jargon. Ensuite, vous mettez le tout dans un wok préalablement chauffé à feu doux. Vous ne cessez de remuer et vous verrez chaque bout de riz caramélisé sautillant sur le feu dans un anonymat total, pris par le tourbillon de la vie comparable à votre propre existence misérable, sous le contrôle d'un système dictatorial. Vous versez la sauce de soja par-dessus, chaque grain de riz frémit, hein, les plus fragiles se cassent littéralement en deux, tel le résultat inévitable du broyage social qu'on appelle élégamment la civilisation. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pardonnez-moi. Du riz cantonais devient politique. Vivre est politique. Alors, faire une chronique, ça l'est inévitablement.